dire quand même à quel point il est éprouvant d'essayer d'avoir un débat sur les questions climatiques et d'agriculture dans cette assemblée et notamment avec le groupe du Front National. Face à l'enjeu climatique, face à la menace qui pèse sur les espèces menacées, y compris sur l'humanité, les investissements doivent être à la hauteur. S'adapter au changement climatique, aux ressources limitées de notre planète, n'est pas une option, mais une nécessité. Si l'échec de la COP24, malgré le nouveau rapport du GIEC et les marches pour le climat, ont rassemblé beaucoup plus de monde que les manifestations habituelles. On estime à plusieurs dizaines de milliers le nombre d'emplois potentiels dans la transition écologique. Le dérèglement climatique implique cela. Il va falloir choisir, boire ou skier. Elle peut directement intervenir et agir pour lutter contre le réchauffement climatique. Le coût des catastrophes climatiques a environ 50 milliards au cours des 20 dernières années. Tout ça est basé sur des informations fausses. Je rappelle qu'en 1945 a commencé la montée, on va dire, à 75% de la production de CO2 sur Terre. C'est précisément à ce moment-là que pendant une dizaine d'années, on a eu les hivers les plus froids. Donc il n'y a aucune corrélation entre les deux. On est marre du psittacisme des climastrologues et de leurs prophètes de malheur. Il y a un consensus mou jusque dans cette assemblée qui commence vraiment à nous taper sur le système. Les prévisions catastrophistes fondent plus vite que la banquise. Compte qu'imputer le réchauffement climatique uniquement aux actions humaines n'est pas prouvé. Pas impossible, mais pas prouvé. Ce ne sont pas les chasseurs qui sont responsables du changement climatique. Quand vous voyez que sur les territoires de montagne, le réchauffement climatique, il est 3 fois supérieur, c'est pas des études, c'est ce qu'on constate. Vous avez un thermomètre? Maman aussi j'en ai un. 0,8 degrés de plus les 10 dernières années. 0,8 degrés de plus les 10 dernières années. Ça, c'est pas de la fantaisie. Donc, continuez à nier. J'espère que vos propos sont enregistrés parce que vous devrez en rendre compte, ainsi que tous les négationnistes de ce qui se passe sur ce sujet. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que si on prend 2 degrés supplémentaires sur le siècle, 2 degrés, même les plus militants au niveau américain sont dessus, alors après on peut avoir des approches qui sont différentes, 2 degrés, on change de façon irrémédiable le fonctionnement de la vie sur notre planète. Irrémédiable.